Après nous être promenés à Belleville, nous avons fait un petit tour au centre-ville pour nous remémorer des souvenirs. J'ai revu moi, ma petite école, nous avons vu le petit bar tabac qui nous offrait des glaces de temps en temps. Et après avoir fait un petit tour dans notre ancienne cité de Belleville, nous voici à Brakemont, nous sommes devant notre école. Nous avons passé une petite partie des études. Nous sommes aussi allés voir le terrain de foot où nous avons joué au foot étant petits. Nous n'avons pas fait grande carrière, nous n'étions pas très très bons. Et maintenant, on se dirige vers la plage de Puy. Très belle plage, c'est parti. Le mec qui maîtrise. On sent le mec qui fait de l'enduro. Hein. Ah ouais. Là, sur la gauche, il y a l'auberge où on avait fait une communion. Je sais pas si tu te rappelles. Ah ouais. Ah, c'était là, je ne me rappelle même plus. En haut, ouais. Je suis passé par Grège, je me suis dit ça va lui rappeler des souvenirs. Grège ? T'as pas joué au foot à Grège ? Oh si, des matchs, mais bon, je me rappelle plus. Ouais. On va se refaire la fameuse montée où Dan poussait avec ses pieds pour... pour avancer avec son 50. P50, machine de guerrier. Mmh. Tu peux avoir une roue à 90 degrés et continuer à rouler. C'est surtout que nous on était à deux, on allait plus vite. Sur ton ST là. Tiens. On s'arrête deux secondes. Ah ouais. Quoi ? Ouais, on va s'arrêter. On va éviter de les prendre. Quand on était gamin à l'école, on allait là-bas. On allait voir les blocos. Ah bon ? Je m'en rappelle. Je me rappelle plus. Même c'est fleuri, sympa, avec le truc derrière, hein. T'as une belle photo à faire aussi là. Bon, on va aller dans la cité Neuville, puis on fera la station après. Deuxième qui passe mal. Ah ouais, j'entends bien un crack. Mmh. À gauche. Ah ouais, je sais, t'inquiète, j'ai le GPS. Je sais pas si on peut mettre le petit tronc. On passe quoi, côté gauche? Ouais. Rue des Aigrettes. Je rappelle qu'on joue au 421 derrière les arbres sur la gauche. Ouais. Enfin, quand il y en avait. Oh. Il n'y a plus l'air d'avoir des arbres ici. Hein. Il y a une maison à la place. Ouais. Les garages. Le tournant de la mort de Dan. Ouais. Ah, c'est celui-là ici à gauche. Il avait tout coupé lui. Là, il y avait Julien, je ne sais plus qui. Gros lot. Gros lot. Pas rien de pot. Des vrais, les pots. On joue au foot où je me suis pété la jambe. Ça a bien poussé les arbres. Et puis la et là, place. Toi, t'as plus de pyramide. Ah non, ils ont viré la pyramide, ouais. L'ancienne maison. Il y a l'air d'avoir personne. Ouais, il y a quand même une balançoire dans le jardin. Il doit y avoir quelqu'un, ils sont peut-être partis en vacances. Ouais. Une photo ou quoi? T'en fais une ou j'en fais une? Vas-y, fais-en une. De toute façon, après, je te dis, hein, on a les photos sur Google. Hein. Ah, à chaque fois, je mets un coup de talon sur ma... Bah, pareil, les Maritos, ça a l'air de plus être habité. Ou alors, ils sont en vacances. Les façades, elles ont été refaites.
Ouais, c'est un peu plus propre. Moi, je me rappelle ici, tu te rappelles le carton qui était là, là ah, le ouais. Faire un gros lot qui s'était pris le carton, il avait pété ses dents et tout. C'était pété les dents. Du boucherie. Pro du vélo. Ah, ils ont pas combien de poubelles. C'est Johan 20, je sais plus à laquelle il habitait. Attention, il y a un trou. Les feux de la Saint-Jean. Ouais. Les parents bébères, ils habitent toujours ici ou pas, c'est pas ça, les parents bébères, moi, je sais pas, je sais pas trop. De la rue. Ouais. Et le papa à Dan. Ouais. Je sais pas si c'est encore habité. Ouais. Ouais, si, je pense qu'ils habitent encore. On fait quoi, on va... Bah, Dieppe, là, maintenant. Ah, il y avait... Tu te rappelles, dans la cité à droite, là, il y a une poisson. Petit merdeux, tu te rappelles? Ah, petit... petit merdeux, là, qui était avec Wolski, là. Ça me dit quelque chose. Ah oui, Yann Moisson. Et... Bah si, on allait jouer chez lui, de temps en temps, il avait une méga drive et tout le truc, là. Mmh. Alors fais gaffe, hein, t'as vu les plots sur la ligne centrale? C'est ce que j'ai vu, ouais. Carrément merde. Il y avait une David Pony. Attention, partir. Ouais, bah vas-y, ouais. Le mec, il est costaud. Ils ont bien rénové quand même. Ouais. C'était quoi ça? C'était CM2, CM1? Groupe scolaire, ouais. Pierre Curie. Toi, tu y es allé, toi, non? Ouais, ouais, j'y suis allé. Moi. Ouais. Ouais, ça devait être CM2, je pense. Bon, on verra, après, on est pas vu. C'est l'avenue là, sur laquelle on vient de passer au carrefour. Ouais, je me rappelle la grande descente. Ah, ouais, voilà. Enfin, ça, c'est quand même... Ouais, c'est sympa. Ouais, que de souvenirs, hein. C'est loin, hein. Oh, c'est loin, ouais. Quand on y pense, ouais, qu'est-ce qu'on vieillit. Mais bon, quelquefois, tu te dis que c'était les bonnes époques quand même, hein. Mm. T'étais gamin, t'étais insouciant... Je crois que c'est dans cette rue que j'ai tiré les cheveux Anthony, je sais plus quoi, là. Ah ouais. Il me prenait la tête, il me tapait derrière la tête, je l'ai chopé par les cheveux. Il m'a pu embêter. Bah, c'est moche, hein. Ah ouais. Pouvoir. Il aurait pu passer un coup de Karcher. Ouais. Je sais pas s'ils ont du minerai aussi ici, mais... Bon bah après c'est Dieppe, hein, plage de Dieppe. On se fait la descente. Ouais, on se fait la descente, puis on arrive sur la plage là, avec sur les sabots. Sur le pont, tout ça, ouais, ouais. Je me rappelle, parce que là-bas il y a le virage de chez Berger, là-bas. Ouais, et je m'en étais coûté. Ouais, je m'en étais coûté. J'ai jamais accéléré en virage quand il pleut. C'est à droite ou à gauche? À droite, là, tu suis le virage. À gauche, là, en fait, c'est pour aller chez Christophe Berger. Là. Ouais. Enfin, en plus, on a du bol. Hein. Avec le temps, il fait pas trop chaud, il fait super bon. Ouais, normalement, les 3 jours, c'est à peu près bien. Je crois que le 3e, peut-être, il fera un peu moins bon. Mais... C'était là, hein, à gauche. Ouais. La boulangerie. C'est là que tu t'es venu faire ta radio, là, quelque part sur la gauche. Tu te rappelles? Ah oui, je me rappelle. Ouais, t'avais sorti de la bagnole. Là. Mmh. Putain! Il en fait du bouquin lui. Ah, il pue lui. Ah, c'est ah fringue. Ouais. Ah, ça sent le motocross. Ah, ah ouais. Tu le sens, hein? Ah ouais, ouais, ouais. Ah, ça sent l'huile de synthèse. Mmh. Ça me rappelle le motocross. Il y a des belles baraques quand même ici. Ah, ça c'est pauvre. C'est bien, j'aurais un peu de tous les décors dans ma vidéo. Du urbain, de la falaise. Là, il me dit de tourner à gauche, mais je suis pas sûr. Non, non, tout droit. Ouais, c'est tout droit le pont. C'est pas le pont qui va tourner, ça? Non, c'est le feu, ça. Tu t'arrêtes sur le port, là, sur la droite ou pas? Pas de photo? Bah, de toute façon, on va prendre la route, là, qui longe le port. Là. Ouais, mais de ce côté-là, on prendra... Non? C'est comme tu veux. Où est-ce qu'on rentre, ici? Ah non, ça sent interdit. Non, mais là... Ouais, vas-y. On va pas rester trop longtemps parce qu'à mon avis on va se faire verbaliser. Non mais je prends une photo. On va pas le droit d'être. Par contre je sais plus comment on fait une photo panoramique avec le téléphone. Comment on échange les modes là-dessus. Tiens, il y a les barrières qui sont levées, je sais pas trop pourquoi. Ouais.
copain de tout à l'heure. Ouais. Vas-y, à droite. C'est quoi, tu veux qu'on se gare sur le front de mer ou... Et il compte quand même, hein. Ouais. Bah ici, les gens, ils traversent un peu partout. Juste faire gaffe. Mais ouais, ça te la gueule, hein. T'as pas ça, hein, dans le nord? Non. J'ai pas ça non plus. Alors, c'est moche. Avec la petite falaise en fond, là. Ouais. C'est sympa. En tout cas, il y a de quoi bouffer ici. J'ai pas de viande. Je croirais dans le Seigneur des Anneaux avec la petite église là-haut, là. Ouais. Commence à avoir des gens en slipouze. De quoi? Commence à avoir des gens en slip. Non, bah là il y a un parking où tous les gens ils se garent, là, faut trouver l'entrée. Ici là. Bah c'était là je crois. Bah il y en a une certainement de l'autre côté. Oh, regarde, il y a deux places là, mais toi là. Ah trop tard. Ouais. J'ai une voiture derrière. Je mets route de Fécamp direct. Moi, ça me fait toujours halluciner comment c'est triste les lycées, les collèges, les machins. On dirait des prisons, les trucs. Ici c'est hyper... Oh, oh. Et regarde-moi cette vue là. Regarde la vue. Enfin, fais gaffe au tournant quand même. C'est ainsi que s'achève notre petit tour à Dieppe. C'était bien sympathique, on a eu le temps de se promener, prendre plein de photos. Et maintenant, prochaine étape dans la prochaine vidéo. C'est le trajet vers Fécamp et où on va avoir de très belles routes en bord de côte avec la mer, avec des falaises. Ça va être super beau.